Bonsoir à tous, et bah c'est reparti pour une semaine d'entraînement qui commence très mal. Je suis allée nager ce soir et j'ai eu encore très mal au bras. Du coup, j'ai écourté ma séance, mais on se fait quand même un petit plaisir avec un petit reshirashi pour reprendre des forces. Espérer que cette épaule, le omoplate, j'arrive même pas à déterminer d'où vient la douleur, me laisse tranquille. Donc demain, je vais aller courir. Je pense que ça ira mieux. C'est fractionné, ouais, j'ai changé totalement le programme par rapport à la semaine dernière, même si les deux semaines devaient se ressembler, parce que déjà je voulais pas courir deux jours d'affilée en revenant d'une course de voiture, un peu fatiguée quand même. Hein. Donc demain je vais aller courir sur la piste jusqu'à Vincent retourne à la piscine et que c'est à côté. Et regardez-le, on fait un truc rempli de riz et votre pote il sort le pain fatigant. Donc voilà, demain fractionné sur la piste, je pourrais un peu plus filmer que d'habitude. On va piquer la GoPro de Vincent. Il a l'air vachement heureux. Fractionné sur la piste. Ouais. À quelle heure? Pas quand t'es à la piscine. Ah, le soir. Bah oui. Allez, bisous. On est mardi 3, 4, je sais plus, octobre, 3, je crois. Et vu que le programme n'a rien à voir avec les autres semaines, aujourd'hui, fractionné de course à pied. Et vu que la piste d'athlée est juste à côté de la piscine, que Vincent est à la piscine, j'ai décidé d'aller courir ce soir. Stratégiquement, vu la météo, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. J'espère. Qui va pas me pleuvoir sur la gueule. Je me mets en tenue et bah, c'est parti 10 minutes d'échauffement et après des petites accélérations de 10 minutes, 30 secondes. Je ne sais plus ce que le coach a préparé, c'est sur la montre. J'ai juste à écouter la montre et à faire. Voilà, à plus. J'en suis dans le premier bloc. Je crois qu'on on suppose avec Vincent que c'est un hématome dû à la chute avec Cyrus. Il me fait bien chier parce que ça commence à me faire mal au niveau du pec et bah, c'est un peu chiant pour espérer. Mais sinon ça va. Le premier bloc s'est arrêté. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Je vais le payer sur les prochains. Mais tant pis. J'ai qu'à être plus intelligente et plus respecter les vitesses que je devais faire. Franchement, chier. Ah, j'ai vraiment mal, putain. Bon, là, j'allais courir. 2 minutes tranquille. Je suis à peu près à moitié du truc. Ça va le faire. Les 3 blocs sont terminés. J'avoue que sur le 3ème, il y en a quelques-uns où ma douleur m'a fait chier. On va pas se mentir. Là, 10 minutes de récup. Et c'est fini. Je demande ma passion, j'espère que je vais y arriver. Ça va pas être comme hier. Voilà. Bonjour à tous, on est jeudi. On fait le petit home trainer entre midi et 2. Avant de partir sur le circuit de Dijon, hier la natation ça a été au début. J'ai fait que 1000 mètres parce que je sentais que mon bras ne pourrait pas faire mieux. Pourquoi tu me filmes avec la GoPro? Parce que t'as une meilleure vue. Je suis filmée de partout à cause de lui. Coach, explique ma séance. Trop compliqué, j'ai pas le temps. Non mais il va falloir vraiment qu'un bloc tu expliques. Oui. D'accord. Bah expliquera pas aujourd'hui. C'est une séance spéciale pour Victoria. Bah, super, allez. On va commencer l'accélération, à tout. Après, c'est dire la deuxième partie, si tu sens que c'est vraiment plus facile, ben augmente. Bonjour à tous, on est dimanche, on n'est pas au circuit de Dijon. Le samedi, quand j'ai couru, je n'ai pas filmé, parce que j'ai juste couru tranquillement, mais pas si tranquillement que ça, vu le dénivelé qu'il y avait. Je devais faire le vélo hier au circuit de Dijon, mais il y a eu des petits soucis au niveau de la course qui font que je suis rentrée hier soir et qui font aussi que j'ai pas pu faire le vélo. La petite sortie tranquille avec Vincent, 2h30, on va faire le 2h30 plutôt. On est parti pour faire le col de porte qui est vraiment à côté de la maison qui est plutôt sympathique. Voilà, je vous laisse ici pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Parce que je vois bien que vous regardez sans être abonné dans les stats. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera de nouveau sur une semaine d'entraînement plus traditionnelle. Puisque bah, pas vous gagnez une course. Mais la semaine d'après, ça repart. Allez, bisous!